température. J'ai augmenté le son de mon micro sans que ça sature. Que l'enregistrement précédent, il y avait un bug. En plus, il n'y avait même plus les sons du jeu. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et fais-moi du rentre dedans, toi, je te dirai rien. Donc, ah oui, il voulait pas me suivre parce qu'il y avait encore... Ce n'est pas que je ne vous crois pas, mais je ne vous accompagnerai pas tant que je ne saurai pas que tout le monde peut partir d'ici en toute sécurité. Nous avons traversé trop de choses ensemble à mon goût pour que je les abandonne à leur destin. Qui sous-entend dans la quête que... Faut que j'essaie de trouver quelqu'un parmi les survivants de Xvat pour m'aider à libérer Martin et les autres personnes coincées à la chapelle de 14. Ah, ceux qui sont en contrebas. Ah. Ok. Bon, bah, si c'est de la causette diplomatique, j'y mets pas. C'est vrai que j'ai plus de vie. Non, qu'est-ce que je fais?
un cauchemar. Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Quand je m'allonge et que je ferme les yeux, les images se bousculent dans ma tête. Je serais épaté qu'on s'en sorte vivant. Tant que vous n'aurez pas trouvé un moyen de fermer cette porte d'Oblivion, tout ce que je peux faire, c'est essayer de maintenir notre position le plus longtemps possible. Donc concernant la porte ? Une espèce de portail qui donne sur Oblivion. L'ennemi s'en est servi pour attaquer la ville. Ils sont apparus à l'extérieur des murs, et des Dédras sont sortis en masse. Ils en ont ouvert une juste devant les portes de la ville. Tant que la porte est ouverte, tout ce que je peux faire, c'est essayer de maintenir ces barricades. Vous voulez dire le prêtre ? La dernière fois que je l'ai vu, il menait un groupe vers la chapelle d'Akatosh. S'il a eu de la chance, il est coincé là-bas avec le reste, et donc en sécurité pour le moment. Sinon... Bonne chance. C'est courageux ce que vous faites. Merci, monsieur. Il y a un proc qui apparaît. Ah oui. J'ai mis à la position de Chili, les gens proches. En cette pause! En cette pause! Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Quand je m'allonge et que je ferme les yeux, les images se bousculent dans ma tête. Eh oui, c'est ça qui est moche. C'est moche la guerre, c'est moche. C'est muche. Que voulez-vous ? Oh, tout. Vous ne pouvez pas vous battre avec des objets cassés. Vous aussi. Nous avons beaucoup souffert, mais nous nous remettrons. Eh oui, faut aller de l'avant dans la vie. Adieu. Que voulez-vous ? Oh, je ne sais. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Tes tarifs sont exorbitants. Oh, elle n'a pas les ingrédients, c'est dommage. Oh, tu coûtes cher. Oui. Vous êtes très dur en affaires. Oh et oh. Fini, oui. Thank you.
vous êtes très dur en affaires. Vous êtes très dur en affaires. Détoué. C'est plus... Je suis pas spécialement l'intérieur, donc ça va être... Où est la peau galopin? Je te la vends, je crois. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Ah oui, alors. Merde. Vous aussi. J'ai de la chance d'être encore en vie. Je suis en colère. Et j'ai bien l'intention de le rester. Oui ? Tu ne vends rien. Au revoir. Quoi ? Je cherche les commerçants. Vous êtes commerçante ? Non. Prenez soin de vous. Ah, par contre, si quelqu'un dédaigne me rendre un... Oh, je vais prendre la ville. Oh là là. Oh là là. Elle est vachement bien, cette ville. J'ai cherché partout. Peut-être qu'elle est encore à Kvatch, dans une cave. Oh, je vais me faire une petite sieste d'une heure. Voilà. Là, j'ai récupéré toute ma santé grâce à vous. Toujours comment ça. Abandonnez pas. Nous sommes là. Depuis les chapelles et le conseil des anciens. J'ai cherché partout. Peut-être qu'elle est encore à Kvatch, dans une cave. C'est possible. Kvatch est fini. À moins qu'elle ne soit sortie. Il ne reste plus rien. Qu'elle ne vous cherche, elle aussi. Porte de tente pour tente. Ah oh, merde alors. Ah. Je vais pas l'emmerder, je vais essayer de... Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Quand je m'allonge et que je... Ça, c'est de la tente. Fond de dos. Fond de dos. Oui, bah je l'ai laissé. J'ai de la chance d'être encore en vie. Je suis en colère. Et j'ai bien l'intention de le rester. C'est cette colère qui me permet de continuer à avancer. Je n'arrive plus à tout. Je vais remettre mon armure et puis je vais y aller.
sera plus efficace que du maquis qui sera mieux. Ce sera mieux. Ah donc, ouais, l'armure est mieux là. Que je restais un moment dans cette brèche. Enfin bon, là, alors rappelle-moi ce que je peux faire avec l'herbe de sang. Ça m'empoisonne le machin ou pas?
pas les fauches plans, mais je lui rentre dedans. J'avais complètement oublié leur cri. Ah, je vais t'aider. Vous déplacer avec aisance au combat, et tant que vous prenez vos compagnons d'armure légère, votre équipement s'améliore moins vite au combat.
C'est pratique. J'ai qu'à bouger le petit doigt pour que ça sauvegarde. Maintenant, ça fait plaisir. Bon, allez, en fait, je cible tous les ennemis, mais c'est sur le retour que je vais faire la récolte. Je vais faire ça comme ça. Quelque chose me dit que je vais avancer plus vite. Je me mets à la peine de faire le ménage. Et après, j'aurai plus qu'à me promener. Ha!
par le végétal de la sanguinière. Hop. Ah, j'ai pas compris. Attends, comment il a fait son affaire pour monter là-haut? Descends de ta montagne, Sagouin. J'arrive. Je viens de chercher. Il m'échappe pas tant. Voilà, ça c'est fait. Merci.
Nous avons un problème. Oh non, mais non. Et puis il faut que je recharge là parce que... Oh, je suis une déception. Alors je suis en train de morfler, ça c'est pas cool. Non mais là je vais même prendre de la... Ouais donc mais là il me cherche donc je suis obligé de... Voilà. Oh non! Oh, je suis dégoûté, la boule de feu qui m'a acculé, qui m'a explosé. J'allais me barrer en courant pour faire la magie de restauration de santé. Oh là là, c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est cruel. Salle de déchirement. Oui, ça va me déchirer, oui. Vas-y voir que j'essaye l'anneau sur soi. Ouais. Non, pas la vision nocturne, la lumière sur soi. Ah oui, ça me plaît. Armure légère et de lumière. Ah,
C'était drôle. Glorieux vieux renard. Ah, c'est une grosse insulte d'André Morin, je crois. Magie du démon là. Essayé de me courir après et en fait il s'est fait empaler par ce qu'il y avait dans le mur. Ok, il a dégusté. Sympa le banc. Putain, mais c'est vraiment les ténèbres, on ne voit rien au niveau de lumière. Mais sérieusement, dans le jeu, je peux pas changer la luminosité là. Attends. Vidéo. Ah non, je peux pas changer la luminosité. Mais vraiment, vraiment pas. Ta-ta-ta-ta-ta. Lumière ambiante, j'ai mis à fond. Luminosité, ben j'ai envie de dire oui. HDR n'est pas supporté quand Bloom est un homme. Je savais pas que j'avais mis Blum, mais ouais, bah on verra pour la prochaine fois, en espérant que ça gâche pas l'immersion. Mais voilà.
voilà quoi. Bon, alors. Non mais sérieusement, là je vois rien. Je vais remettre l'anneau de vision nocturne. Voilà. Là j'y vois quelque chose. Alors je vois tout en bleu, mais j'y vois quelque chose. Voilà. En effet. Par ici, vite! Vous n'avez rien à faire ici, mortel. Dites adieu à la vie. Gardien de Sodomora. Si je peux capturer son âme, elle va valoir l'empreinte commune. Je pense qu'il faudrait une supérieure. Grande gemme spirituelle. Non, il y a déjà du. Ah, en fait, j'en ai plus. Dommage. Oh, clé des donjons des sceaux. Sympa. Sympa, sympa. Dans la cage, par ici. Vite, vite, on n'a pas le temps. Vous devez aller jusqu'au sommet de la grande tour. On l'appelle le garde des sceaux. Il garde la porte d'Oblivion ouverte. Trouvez la pierre sigillaire. Retirez-la et la porte se fermera. Vite, le gardien a la clé. Vous devez vous procurer la clé. C'est fait. Eh ben, tu peux pas te barrer là. Enfin, il doit y avoir un levier, donc je peux sûrement te libérer. Prenez la clé. Allez au garde. Ne vous inquiétez pas. Alors.
là, ils sont pas de fous. Que j'ai plus de santé, que je vais me faire déboîter. Salopio. Oula, il m'a fait un de ses sorts, lui. Oh là là, il m'a fait le sort du boulet.
Ah, ça suffira pas, je pense pas. Si. Je suis bien content qu'il ait plus cher parce qu'il me les a bien brisés. Alors, je remonte là où j'étais. Je suis sûrement en train de des emballements dans la flèche. Allez, voilà. Je peux peut-être retirer la vision nocturne. Ouais. Ça me fait de couleur. Cette arme là, c'est pas possible. Voilà. Ah oui, la rage. Il m'en faut de la rage. Couper l'épisode ici parce que c'était là, c'est j'avance bien, c'est cool, waouh, allez-y.